occupation préférée, travail. Beer garden is one of the greats. If I stand up, will you see it? Yeah. Okay. Because it really is, it's kind of amazing. It looks like it's from today. You know, it's very important that he was the first designer to get into diversity, because designers have that power to globally inspire millions of people. I think asking every Chinese, almost all Chinese know Pierre Cardin. How many million dollars did this man make last year? His name is Pierre Cardin. He's the biggest house on the world. Fashion. Pierre Cardin, il est moderne. Il est structurellement moderne. Il n'est pas de style moderne, il est moderne. C'est-à-dire qu'il a une façon de penser moderne. Et c'est ça qui a tout fait. He was a futurist in the way the designs looked. He was a futurist in his idea of how fashion can be a business. He was a futurist in his all-encompassing, all-embracing idea of art and performance art and architecture. They said, you're going to play Paris at the Pierre Cardin Theater. Really? They want us to play here? Because we're used to playing dungeons. Un artiste. Je voudrais être un artiste. Vu mon âge, vous le comprenez, j'ai travaillé avec beaucoup de comédiens. Et je les ai respectés, je les ai admirés, et je les ai habillés et déshabillés. Moi, j'aime un homme quand il est viril et j'aime une femme quand elle est féminine. J'aime l'eau ou le vin, mais pas le vin mélangé à l'eau. Il disait toujours avoir des rêves immenses pour être sûr de ne pas les perdre de vue. Et je pense que ça lui va très bien. Il voulait toucher beaucoup, beaucoup de monde. Le monde entier, en plus. Il est allé le premier en Inde, le Japon, la Russie, et même il a fait un défilé sur la muraille de Chine. Donc c'est quelqu'un qui vraiment avait une vue totale, globale, impériale. À Venise, je suis vénitien, c'est mon origine. Mais c'est la France qui m'a donné la possibilité d'exister. C'est un empereur, quoi, c'est un empereur total. Un fil young.